Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ouvre un pack de sport, on ouvre un pack de hockey sur glace et on part dans le début des années 90 avec du classique Upper Deck Collector's Choice que voici, donc un parquet de 1991-1992. Voilà, classique, hein, les Collector Choice. On est très nombreux à connaître ces cartes-là. Très classique de l'époque, avec possibilité d'obtenir une carte hologramme. Là, on voit ici, c'est écrit sur le paquet. On a des vieux paquets de l'époque. Et donc, on va s'ouvrir ça ensemble, un peu de NHL. Allez, c'est parti, ouverture du pack. Allons découvrir ces cartes. Donc, il y en a 12 par paquet. On croise les doigts qu'elles ne soient pas trop collées. Alors si certains d'entre vous, j'ai vu qu'il y en a certains qui voulaient garder les paquets ouverts, je vais en mettre un petit peu de côté. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me contacter. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec une très belle Chris Chelios. Défenseur sous le maillot de l'équipe américaine. Les cartes, un très très classique de l'époque. Hein. Des belles photos hein, quand même. Ce sont les photos de hockey. En général, elles sont tout assez belles. Hein. Allez, on continue. Donc, une petite publicité qui ne nous intéresse plus. Avec... Pardon, excusez-moi. Alors... Les North Stars avec Enrico Ciccone, défenseur également. Len Barry des Flyers. Byron Trottier des Penguins de Pittsburgh. Donc on a toujours les classiques statistiques à l'arrière. Si on voit bien, on continue. Don Gibson des Canucks de Vancouver. C'est drôle de revoir tous ces vieux maillots. Kevin Todd des Devils de New Jersey. Jeff Norton des Islanders de New York. Ray Shepard des Rangers. Elles étaient bien faites ces cartes comme Collector Choice. C'était vraiment, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle l'enfance. North Stars. Enfin, pour ceux qui ont connu évidemment. Ron Hoover des Bruins de Boston. Pierre Turgeon des Sabres de Buffalo. Et la dernière, Thomas Sundström. Là, on est sous un maillot international, je pense. Ça doit être la Suède. Voilà les amis, pour cette ouverture, alors, pas d'hologramme, pas de carte hologramme sur ce paquet. Mais une ouverture toujours très sympathique à faire. Voilà donc les 91-92, ok. De Collector Choice de chez Upper Deck. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines ouvertures. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!